tu regardes la personne, dis-lui, Dieu a quelque chose pour toi ce matin. Si ton voisin ne te parle pas, c'est que c'est un problème. Tu peux changer de place parce qu'il y a des mauvais voisins. Tu vas avec quelqu'un, dis-lui, mon frère, ma soeur, Dieu a quelque chose pour toi ce matin. Tu vas vivre un miracle ce matin. Si quelqu'un ne te parle pas, c'est qu'il n'est pas pour ta bénédiction. Tu vas vivre un miracle ce matin. Parce que avant qu'on puisse rentrer dans le message, je suis venu avec un grand serviteur de Dieu, non pas le moindre. Il est leader d'église, il a plusieurs églises ici en Côte d'Ivoire. Et c'est un aussi un frère et un ami de votre père. Papa Joël Grasso, il est venu. Quand il a appris que je venais, il dit non, il faut que je vienne. Il a laissé son église, il a tout abandonné et il est venu avec moi. C'est un homme que je respecte. Lui, c'est le révérend prophète Emmanuel Paul David Olobio. Au niveau de l'association des hommes de Dieu que nous avons, parce que je suis le porte-parole de la chevêque Cassida Zuto, qui est le porte-parole des églises protestantes éloignées de Côte d'Ivoire. Amen. Donc nous sommes au sein de la confrérie
Et moi-même, je suis président du compédium de la nouvelle génération des pasteurs de Côte d'Ivoire. Amen. Les hommes de Dieu qui ont commencé à servir Dieu des années 97 jusqu'à ce jour. Donc, je suis le président. Et lui, il est le secrétaire général. Donc, vous avez aujourd'hui une représentation très forte de l'église protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Amen. C'est l'église de Côte d'Ivoire. Savent que je suis ici. Amen. Donc toute la nation a les regards ici. Amen. Vous avez la salutation de l'archevêque Kassé Davitou, qui est le père de Papa Jean Crasso. Alors, je veux honorer l'esprit, un grand esprit. Je veux honorer un esprit supérieur. Parce que vous voyez, dans la classe des esprits, il y a des esprits supérieurs. Amen. Et il y a des esprits inférieurs. Je veux honorer un esprit supérieur. Je veux honorer quelqu'un à qui l'esprit de Dieu se trouve. Je veux honorer quelqu'un qui ne se fatigue pas. Amen. Qui, pour le Seigneur, est toujours prêt. Amen. Je suis venu. Il y a quelqu'un qui a dit, mes oreilles avaient entendu parler, mais aujourd'hui mes yeux ont vu. J'avais entendu parler, mais aujourd'hui mes yeux sont en train de constater. Et en fonction de ce que vos yeux voient, vous avez la saine appréciation de la manifestation divine du Dieu incontestable. Je voudrais que nous saluions l'esprit d'un père. L'esprit d'un voyant, l'esprit de quelqu'un qui, en qui tu agis, le prophète Joël Crasso. Formidable. Amen. Je connais dans chaque ville où je me déplace, il y a le collectif des pasteurs. Même ici à Divo. Mais je n'ai pas été dans une église de Divo. Et je ne me déplace pas comme ça. Mais ici, quand mon frère a dit tu dois venir, j'ai dit mais attends, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut refuser à son frère? Amen. Amen. Je veux saluer l'esprit d'un grand homme. Amen. Celui-là même qui, à l'absence du prophète, fait un travail formidable. Alléluia. Un homme aguerri. Le président, je veux qu'on acclame le président. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour mon fils aimé, le pasteur. Et c'est peut-être une amie, quand je veux qu'on acclame le Seigneur pour elle. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous dans la présence. Je disais hier, quand nous étions à l'orphelinat, que vous avez les salutations d'Israël. Parce que mes amis au niveau d'Israël aussi ont été informés que je viens. Donc, cette vidéo qui est en train d'être filmée est suivie aussi depuis Israël. Amen. Et à travers le monde entier. Amen. Donc, vous avez les bénédictions d'Israël. Amen. Vous savez que la Bible dit, celui qui bénit Israël est béni. Amen. Nous sommes rattachés à Israël. Amen. Est-ce que tu peux dire que Israël soit béni? Israël soit béni. Et que Israël soit béni. Israël soit béni. Alléluia. Amen. Béni, alléluia, béni, alléluia, béni soit le Seigneur d'Israël. Alléluia, béni,
ce message, que cette parole fasse du bien à nos âmes, que cette parole nous transforme et nous renouvelle. Toi qui es descendu du ciel sur la terre, il t'a plu de te rendre semblable à l'homme, car il est dit, et la parole se fichait, et elle vint habiter au milieu de nous, pleine de grâce et de bonheur. Nous savons que ta présence active la grâce. Ta présence active le salut. Le salut dans la dimension où tu nous transformes, où de l'esclavage, où de l'oppression, tu nous retires et tu nous donnes, Seigneur, l'héritage de ta grâce, l'héritage de la restauration, l'héritage de la délivrance. Et nous croyons que, Seigneur, tu es mort et tu es ressuscité d'entre les morts. Et Seigneur, tu as cloué dans les profondeurs des ténèbres les dominations et les autorités. Tu as cloué dans les profondeurs des ténèbres les principautés, les princes des ténèbres, les mystiques, les sorciers et les ruses du diable. Et tu as triomphé, Seigneur, par l'œuvre de la croix. Et ce matin, tu nous donneras l'héritage de ce salut. On fait que à partir de ce passage, les filles soient transformées, les âmes soient transformées. Ce que Satan avait pu, sous l'oppression de la sorcellerie, retrouveront la délivrance. Ce qui était pourchassé par les hommes de la sorcellerie, retrouveront la transformation. Car tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, devant lequel nous genoux fléchis. Et que tout le monde confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mon âme te célèbre et mon âme t'adore. Mon âme t'est reconnaissante. Pour chaque fois que tu me donnes l'opportunité de parler de toi. Pour chaque fois que tu me fais la grâce, Seigneur, d'interpréter ta sagesse, d'interpréter ta parole. Seigneur, je suis effacé et ton esprit agit ce matin. Amen. Car nous sommes venus te suivre, nous sommes venus t'écouter, nous sommes venus recevoir de toi ce qu'il y a de meilleur. Guéris-nous et bénis-nous par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Ce matin, pendant que la parole sera en train d'être prêchée, ne soyez pas crispés. Libérez-vous. Parce qu'il y a de la bénédiction dans la parole de Dieu. Pendant que la parole est prêchée, si tu veux acclamer, acclame. Il ne faut pas regarder quelqu'un. Si tu veux dire Amen, dis Amen. Si tu veux t'élever, viens faire une offrande, fais ce que le Seigneur te mettra à cœur de faire. Ne sois pas crispé, parce que dans la parole, tu vas recevoir une bénédiction qui va transformer ta destinée. Ce que tu recherches depuis longtemps, tu vas l'avoir ce matin. Nous allons parcourir la Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 16. Et si j'ai pu donner un thème ce matin à notre message, le thème est « Qui dit-on que je suis ?» Répète à ton voisin, « Qui dit-on que je suis ?» Qui dit-on que je suis ? Tu peux répéter encore ? Qui dit-on que je suis ? Matthieu, le chapitre 16, à partir du verset 13, nous allons lire du verset 13 au verset 19. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu? Je peux lire? Dans la version du second, c'est du second? D'accord. Je lis la parole de l'Éternel. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Est-ce qu'on peut répéter cette phrase? Qui dit-on que je suis? Encore une fois. Qui dit-on que je suis? Encore une troisième fois. Qui dit-on que je suis? Le Fils de l'homme, moi, le Fils de l'homme.
Il répondit. Les uns disent. Tu es Jean-Baptiste. Qu'est-ce que dit Jean-Baptiste? Les autres. Élie, tu es Élie. Les autres. Jérémie, tu es Jérémie. Ou l'un des prophètes. Et vous, reprit Jésus. Le dit-il. Qui dites-vous? Qui dites-vous que je suis? Est-ce que tu peux répéter après moi? Qui dites-vous que je suis? Est-ce que tu peux répéter deuxième fois? Qui dites-vous que je suis? Et troisième fois? Qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Est-ce que tu peux répéter après moi? Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Une deuxième fois. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Une troisième fois. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit. Tu es heureux. Simon. Fils de Jonas. Car. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi. Je te dis, tu es Pierre. Tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je dis, les séjours de mort ne pourront rien contre toi. Amen. Là où les gens voulaient ta mort, ça n'arrivera pas. Amen. Et continue en disant, Je te donnerai. Les chefs du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux. Amen. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. On peut s'asseoir. Vous savez, il y a quelque chose d'important dont tout homme a besoin. Il y a quelque chose d'important avec lequel on ne joue pas. C'est l'identité d'une personne. Parce que tout homme est caractérisé par une identité. Dès que tu nais, tu as une identité. C'est l'identité qui fait ta personnalité. À partir de ton identité, on peut t'accorder un respect ou pas. L'identité se réfère à la nationalité. L'identité se réfère au lieu de naissance. L'identité se réfère à la personnalité. L'identité. C'est pour cela que quand tu nais dans un pays, on te demande d'aller faire ta carte nationale d'identité. À partir de ta carte d'identité, on sait qui est ton père. Dans ton identité, on sait qui est ta mère. Dans ton identité, on sait qui provient de quelle famille. Et tu viens de quel généalogie. Donc, l'identité est la chose qui concerne la nature humaine. Pas ton endroit, pas ton identité, on peut te déstabiliser. Ou comme on peut t'atteindre. Parce que dans ton identité, il y a le nom de ton père. Donc, lié héréditaire. Et parfois, les malheurs et les problèmes que nous vivons sont rattachés parfois à notre identité. Amen. Et à partir de ce moment, on parle souvent des liens héréditaires. On parle souvent de tout ce qui est bénédiction qui est rattaché aussi à l'identité. En fonction de ton identité, on peut aussi t'accorder un respect. Par exemple, à partir du moment où tu es fils d'un roi, où tu es fils d'un président, à cause de ton identité et de ta personnalité, le respect qu'on te donne diffère du respect qu'on pourrait donner au fils d'un, d'une personne lambda. Vrai ou faux? Donc, en fonction de ton identité, on t'accorde aussi une certaine forme de respect. Donc, Jésus avait besoin un certain moment que l'homme puisse reconnaître sa véritable identité. Et Jésus marchait avec ses disciples.
Et la Bible dit, Jésus avait 12 disciples. En plus des 12 disciples, il avait des milliers d'orphelins, de veuves, qui l'accompagnaient toujours dans ses missions. Et Jésus arrive dans un territoire qu'on appelle Césarée de Philippe, un territoire qui était beaucoup habité par des Romains dans le temps, un territoire où vivaient les bourgeois. Je suis allé plusieurs fois dans ce territoire en Israël, j'ai visité ce territoire. Un territoire où Corneille, quand vous lisez comme ça dans la Bible, Corneille, il était à Césarée de Philippe. C'était des bourgeois qui vivaient là-bas. Jésus arrive donc dans ce territoire et Jésus s'arrête avec ses disciples qui parlent des disciples de Jésus. On ne parle pas de n'importe qui. On parle des personnes qui ont abandonné leur famille. On parle des personnes qui ont abandonné leur père et leur mère. On parle des personnes qui ont laissé leurs activités pour suivre Jésus. Et 3 ans, ils étaient chaque jour avec lui. 3 ans, ils mangeaient avec lui. 3 ans, ils dormaient ensemble. Voici des gens qui ont abandonné même leur foyer. Parce que suivre un grand homme n'est pas quelque chose de facile. Être dans l'équipe restreinte d'un grand homme n'est pas quelque chose de facile. Si Dieu ne t'a pas donné le mandat, tu ne peux pas tenir. Parce que partout où Jésus se déplaçait, ils avaient l'obligation de se déplacer. Voici des personnes qui n'avaient plus, n'est-ce pas, de conscience vis-à-vis de leur famille, qui ont abandonné leur maison, qui ont abandonné leur famille. Un jour même, vous vous souvenez que Pierre a posé la question à celui de savoir, nous avons abandonné nos mères, nos pères, nos frères, nos enfants, nos pieds, nos maisons, pour te suivre. Car viendra-t-il de nous? Donc, bien aimé, des disciples n'étaient pas des gens lambda. C'était des personnes qui s'étaient sacrifiées corps, âme et esprit pour le ministère de Jésus. Et souvent, le problème que nous avons dans nos églises, le problème que nous avons dans nos ministères, c'est que nous avons des chrétiens, mais nous n'avons pas de disciples. Il faut quitter l'étape des chrétiens pour être à l'étape d'un disciple. Parce qu'un disciple ne vit que pour son maître et pour le message de son maître. Amen. Tant que tu restes à l'étape de chrétien, tu ne comprends pas encore la profondeur de la spiritualité. Il faut quitter l'étape du chrétien pour arriver à l'étape du disciple-là. Jésus n'est pas venu faire des chrétiens, Jésus est venu faire des disciples. Amen. Jésus n'est pas venu faire des chrétiens. Le mot chrétien, c'est les païens qui nous ont donné ce mot-là. Alléluia. C'est les païens qu'on dit aux ceux-là, on va les appeler chrétiens. Sinon, Jésus est venu pour établir des disciples. Amen. Et quand tu es disciple, bien-aimé, tu privilégies les choses du royaume. Tu privilégies les choses du royaume par rapport à ta propre famille. Tu privilégies les choses du royaume par rapport à tes soeurs, par rapport à tes activités. Jésus dit, celui qui aime son frère, sa mère, son père plus que moi, c'est qui ne m'a jamais connu, c'est qui ne m'a jamais aimé. Parce que le Seigneur est un Dieu jaloux. Bien-aimé, le disciple est quelqu'un qui est prêt à mourir pour son maître. Le disciple est celui qui, pas quel que soit ce que l'on pourrait dire, il est à côté du maître, il est là. Donc ce n'était pas de n'importe qui. Amen. C'était des personnes avérées. Imaginez-vous quelqu'un qui a abandonné sa mère, qui a abandonné ses frères, qui a abandonné ses activités pour te suivre. Pendant 3 ans, vous dormez ensemble. Pendant 3 ans, vous faites tout ensemble. Et puis, au bout de 3 ans, un matin, Jésus le fait asseoir. Et il est demain, qui dit donc que je suis? Mais c'est bizarre. Toi-même, tu es marié, tu vis avec une femme. 3 ans, vous vivez ensemble. Et puis un matin, tu demandes à ta femme, mais moi-même, je suis qui? Ou soit, ton père te demande, toi qui es son enfant, toi, ma fille, mon fils, qui je suis? C'est une question bizarre. Mais quand Jésus pose cette question, il est le Dieu des dieux. Il la pose pourquoi? Parce qu'il savait que ceux qu'on appelait ses disciples ne le connaissaient pas.
Je suis en train de venir maintenant. Amen. Dis amen que je prends mon envol. Amen. Dis amen que je suis appelé. Amen. Viens la main chocolatée que je parle. Amen. En posant la question à ses disciples, cela voudrait dire que ceux qui estimaient être dans son intimité, ceux qui estimaient être dans sa présence ne le connaissaient pas. Tu peux être dans l'intimité de quelqu'un. Tu peux être dans la vie intime de quelqu'un sans le connaître. Amen. Le fait de fréquenter l'église du prophète Joël Grasso ne veut pas dire que tu le connais. Amen. Tu peux être un pasteur de prophète Joël Grasso sans le connaître. Amen. Oui. Le fait de fréquenter quelqu'un ne veut pas dire qu'on le connaît. Amen. Jésus le demande, qui dit donc que je suis? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Parce qu'à un certain moment, il est important de comprendre qu'est-ce que ceux qui sont autour de toi, ceux qui marchent avec toi, ceux que tu appelles ma camarade, c'est mon ami, c'est mon chéri, c'est ma chérie, c'est mon copain, c'est mon groupe de tous les temps, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Qu'est-ce qu'ils disent de toi? C'est pas une question de parce que tu m'as marié, même si tu me connais. Non, 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 non. On est ensemble. Qu'est-ce que tu dis de moi? Amen. Parce que ton propre mari peut ne pas te connaître. Amen. Ta propre femme peut ne pas te connaître. Amen. Ton propre père peut se tromper à ton sujet. Amen. Ta mère peut se tromper à ton sujet. Amen. Tes frères peuvent se tromper à ton sujet. Amen. Qui dit-on que je suis? Amen. Et regardez, les disciples vont répondre. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Si c'était des personnes avérées, si c'était des personnes qui le connaissaient, ils n'allaient pas rapporter les paroles des uns. Donc voici des gens qui marchent avec Jésus, pendant qu'ils mangent avec lui, pendant qu'ils ont tout abandonné, ils espèrent tout abandonner pour lui, mais en réalité, qui ont des oreilles dehors. Vérité. Ils s'écoutent de ce que les autres disent dehors. Il y a les autres qui sont dehors. Ils disent que tu es Jean-Baptiste. Qui était Jean-Baptiste? Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Ils ont le cousin humain de Jésus. Donc on dit, non, toi quand on te regarde dans ta ville, à ton ministère, c'est rattaché au ministère des membres de ta famille. Quand les gens te regardent, ils veulent t'associer à ta famille. Ils veulent dire que non, parce que dans ta famille, il y a eu l'échec, donc toi aussi tu as appelé à échouer. Dans ta famille, comme telle personne n'a pas réussi, donc toi aussi tu as appelé à ne pas réussir. Je vais dire à quelqu'un, ton histoire n'est pas égale à l'histoire de ta famille. Ton histoire n'est pas je dis que tu échoueras jamais. Si les sorciers ont mangé certaines personnes dans ta famille, toi on ne te mangera pas. Toi on ne te mangera pas. Toi on ne te mangera pas. Dans ma famille, c'est vrai que vous avez mangé certaines personnes. Vous avez bloqué, vous les sorciers, la production de certaines personnes. Mais ce n'est pas parce que vous avez bloqué la richesse de mon père que vous avez bloqué ma richesse. Ma vie n'est pas la vie de mon père. Ma vie n'est pas la vie de ma vie. Amen. Je dis, si ta mère n'a pas tenu le mariage, toi tu vas tenir le mariage. Dis amen. Amen. Dis mon histoire n'est pas l'histoire de ma famille. Amen.
dit non, non, nous dans notre famille là, on ne peut pas avancer. Nous dans notre famille là, on ne peut pas réussir. Nous dans notre famille là, et tout ce qu'on fait là, ça s'écarte. Nous dans notre famille là, les femmes là, elles ne se marient pas. Bien aimé, c'est ce que la famille vit. Ce que la famille vit n'a rien à voir avec ce que toi tu vives là. Qui dit tant que je suis moi le fils de l'homme. C'est quand vous me regardez dans la balance, qu'est-ce que vous pensez de moi? Pourquoi? Parce que le monde juge en fonction de la balance. Le monde juge en fonction de ce qu'il voit. On voit que non, tu es gros. On voit que quand tu es une jeune fille, tu es clair. Tu as bien frisé tes cheveux. Tu es belle. Quand tu m'as dans la gueule, oh, c'est la scène, c'est l'un des autres. Ça, c'est le jugement du monde. Amen. Le monde te juge à partir de ce qu'il voit. Et le monde ne peut que te juger non pas en fonction du futur, mais il te juge en fonction de ton présent. Donc, pourquoi? Parce que dans le présent, tu n'as rien. Parce qu'aujourd'hui, tu marches en tapette. Parce qu'aujourd'hui, tu dors dans une petite maison. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as rien à manger. Donc, il te donne un jugement de destinée par rapport à la situation que tu vis en présent. On dit, oh, celle-là, elle a échoué. Non, lui, elle n'est pas allée loin à l'école. Non, celle-là n'est pas allée loin à l'école. Elle a passé son temps à faire prostitution. Voici, on lui dit, elle ne fait rien à sa vie. On te regarde par la part ton présent pour te juger. Mais laisse-moi te dire que le jugement des hommes n'a rien à voir avec la prédestination de Dieu dans ta vie. Le jugement des hommes n'a rien à voir avec la prédestination de Dieu dans ta vie. Parce que ce que Dieu est en train de préparer pour toi est quelque chose de marbre. Ce que Dieu est en train de préparer par Ariel n'est pas de passer dans ton devant. Ce que Dieu est en train de préparer, les hommes ne s'en reviendront pas. Je suis. Qui dit tant que je suis? Regardez les disciples. C'est pour ça, ne vous fiez pas toujours aux avis de vos amis. Un de ma camarade intime. C'est là, c'est ma camarade. Est-ce que ta camarade te connaît bien? Tu te frappes la partie, non, c'est ma copine, c'est mon copain. Est-ce qu'il te connaît? Président, même tes propres enfants peuvent ne pas te connaître. Amen. Femme que tu as mariée, ça fait 20 ans, et ta femme ne peut pas te connaître. Amen. Parce que si ta femme te connaît, elle ne va jamais faire parler avec toi. Amen. Il y a des gens pendant qu'ils sont avec toi, pendant qu'ils sont dans l'église, ils ne marchent pas selon la révélation de l'église, mais ils marchent en fonction de ce que les autres disent dehors. Si tu es ici dans cette église et que tu écoutes ce que les autres disent dehors de ton père spirituel, de ton passé, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. C'est que tu es joué dans ta vie chrétienne. Amen. Tu ne peux pas être dans l'église du prophète Joël Grasso et puis avoir des oreilles dehors. Amen. C'est que tu es un mauvais disciple. Amen. Regardez, ils sont à l'église, qu'ils sont à l'église dehors, ils s'associent avec les gens pour parler. Ils me disent, ton prophète, c'est un satanique, hein? Ton prophète à lui, là, c'est un sorcier. Ton prophète à lui, là, c'est... Et puis tu es là, si tu écoutes. En écoutant, chez nous en Afrique, on dit, s'ils ont insulté ton papa dehors, et tu viens dire à ton papa, ah papa, t'es mes amis là, et ils ont dit que tu as grosse tête. C'est toi-même qui as insulté ton papa. Parce qu'en temps normal, chez nous, africains, je ne parle pas de culture des blancs. Culture africaine, tu as insulté mon papa. Tu peux te faire là, je vais te faire ça avec ta femme. Amen. Et quand ils sont venus, mais mon papa dit, mais pourquoi tu as fait ça, mon papa? C'est parce qu'il m'a insulté. Amen. Ah, il t'a insulté comment? Non, il a dit que mon papa était comme ça. Amen. C'est pour ça qu'il est frappé ton Amen. Papa. Amen. 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 Amen.
C'est ce que Pierre a fini par comprendre. Alors, quand ils sont venus arrêter Jésus, il a pris machette, il a coupé l'oreille de machette. C'est Jésus qui t'a dit, non, Pierre, il faut le laisser comme il dit. Ah non, sinon nous, on était prêts pour toi. En tout cas. Pierre le connaissait, donc Pierre était prêt pour lui. Tous les autres disciples ont checké. Pierre était prêt. Tu ne peux pas fonder ta vie, ton avenir, à partir de ce que les uns et les autres pensent de toi. À partir du moment où toi seul tu es convaincu de ce que tu es. À partir du moment où toi seul tu es convaincu de la valeur que tu représentes. À partir du moment où tu es convaincu de ta destinée, ce que les autres disent à côté ne t'intéresse pas. Ce que les gens disent dehors n'est pas mort. Les gens ont qu'à dire, mon papa est barabou, mon papa est sorcier, mon père spirituel, ce n'est pas mort. Ils n'ont qu'à dire que toi tu es comme ça. Ils n'ont qu'à dire que tu fais malin dans le quartier. Ils n'ont qu'à dire que tu es comme ça. Je dis, ce n'est pas dans. Ce qui n'est pas fou de conviction est un péché. À partir de moi, tu ne cherches pas à ce que quelqu'un soit convaincu de toi. Ne cherche pas à comprendre que quelqu'un soit d'accord avec toi. À partir du moment où le ciel est d'accord, à partir du moment où tu es d'accord, ce n'est pas dans. Amen. Paul va dire en Galates le chapitre 1, le verset 10. Il dit, moi je ne cherche plus à plaire aux hommes. Car si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Amen. Tout ce que tu fais ne cherche pas à impressionner les hommes. Amen. Tout ce que tu fais ne cherche pas à plaire aux hommes. À partir du moment où ça plaît à Dieu, à partir du moment où Dieu est d'accord avec toi, le reste, ce n'est pas toi. Qui dit tant que je suis? C'est tout. Qui dit tant que je suis? Puissant ce matin. Les gens vont toujours se tromper sur ton sort. Les gens vont jamais comprendre qui tu es en réalité. Tant qu'ils vont te regarder avec des yeux d'homme. Tant qu'ils vont te regarder avec des regards d'homme. Tant qu'ils vont te regarder avec une vision chanel. Ils ne comprendront pas qui tu représentes en réalité. Ils vont se tromper sur ton identité. Laisse-les te tromper. Laisse-les se tromper. Tant que tu as des oreilles sur l'extérieur, tu seras déconnecté de la vérité de ton identité. Amen. Dieu peut t'envoyer auprès d'un prophète parce qu'il sait que ta bénédiction dépend de ce prophète. Amen. Il sait que ta destinée sera recadrée à côté de ce prophète. Que le diable peut susciter des gens pour te tâter de lui. Le diable peut susciter des personnes qui sont extérieures pour te tâter de lui. Ne laisse personne te distraire. 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 Dieu peut avoir décidé que c'est après 4 ans auprès de l'homme de Dieu qui va donner ta bénédiction. Dieu peut décider que c'est après 5 ans. Ça peut être après 6 ans. Moi, mon père qui m'a mis au monde, il a servi le révérend docteur Yael John Robert pendant 40 ans de sa vie. 40 ans de sa vie. 40 ans de sa vie, mon père a servi le docteur Yael John Robert. Mais mon père n'a pas eu des millions. Mon père n'a pas eu des centaines de millions. Mais Dieu qui est fidèle. Et la Bible dit en Exode, le chapitre 20, à partir du verset 3, il dit, l'éternel Dieu, il punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la troisième fois, la quatrième génération. Mais il fait grâce à ceux qui honorent son nom, à la génération de ceux qui honorent son nom jusqu'à la millième génération. Le sacrifice que mon père a fait auprès d'un homme de Dieu a fait en sorte que tous ses enfants qu'il a mis au monde, nous sommes tous populaires. Nous sommes tous tu peux suivre un homme. Toi-même n'as rien à voir, mais ce n'est pas parce que tu n'as rien eu. Tu as eu quelque chose. Parce que tu ne sais pas ce que ton enfant deviendra. Tu ne sais pas ce que ta fille deviendra.
toi-même, tu n'as pas occupé de repas, bien aimé, tu ne sais pas ce qui t'attend. Amen. 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 Qui tu t'empêches? Amen. Quand tu marches avec quelqu'un, tant que tu n'as pas la révélation réelle que la personne te connaît, ne dis jamais non, celle-là, elle me connaît. Lui, elle me connaît. Tu ne connais pas. Amen. Tu ne connais pas. Ne cherche pas l'encouragement. Oh, il y a des gens qui sont là. Non, on ne m'a pas encouragé. Il y a des fistés. Il n'y a pas en moi. Pourquoi tu veux que quelqu'un croie en toi? Si le ciel, Dieu, Jésus croit en toi, et que toi-même tu crois en toi, c'est fini. Amen. Pensez-vous que Dieu peut attirer les pas de quelqu'un dans une église sans que Dieu lui-même l'attire? Pensez-vous que quelqu'un peut être dans une église sans que Dieu ne l'attire? Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a pas attiré. Si Dieu ne vous a pas attiré ici, vous ne serez pas ici. Amen. Mais Dieu peut t'attirer auprès d'un homme et le diable peut te détruire, puis il dit la vie de cet homme. Le diable est éloigné. Parce que Dieu ne loigne pas, Dieu attire. Amen. Dieu attire. Dieu, c'est le rapprochement. C'est pour ça que même quand Lot avait quitté Abraham, plus tard, la Bible dit Abraham intercédait pour que l'autre revienne vers lui. Dieu a accepté. Amen. Dieu ne peut pas te demander de quitter ça. Avant de finir, tu veux servir Dieu, tu peux servir Dieu. Amen. Ne écoutez pas ce que les gens disent de votre père spirituel. Amen. Amen. Ils ne le connaissent pas. Il dit, les autres disent que tu es Élie ou tu es l'un des prophètes. Pourquoi tu veux comparer ton père spirituel à un autre pasteur? Chacun a son appel. Chacun a son appel. Il y a des pasteurs, eux, quand Dieu les a appelés, ils sont prophètes. Ils les aident dans le prophétique. Il y a d'autres, eux, ils ne connaissent pas prophétie. Eux, c'est enseignement. Ils enseignent. Dieu les a appelés pour enseigner. Il y a certains, quand eux, Dieu les a appelés, là, c'est pour prier. Ils passent le temps à prier, à jeûner. Dieu appelle chacun en fonction du résultat qu'il attend de chacun. Amen. Pourquoi tu veux que je sois comme l'autre? Vous me dites que tu es l'un des prophètes. Et tu es comme Élie. Nous, mon histoire ne ressemble pas à l'histoire de quelqu'un. Amen. À partir du moment où tu veux faire comme l'autre, à partir du moment où tu laisses ta destinée que tu veux faire comme l'autre, tu as dérouté. Amen. Tu es star. Quand Jean-Baptiste est venu, lui, Jean-Baptiste, était dans le désert. Elle se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Amen. Voici ce qu'il mangeait. Mais les autres prophètes qui l'ont dévancé, ils ne faisaient pas ça. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas un prophète? Le prophète Esaïe a marché pendant 3 ans. Seulement un pilote. Est-ce que vous le savez? Pendant 3 ans, Dieu lui a dit, marche en pilote dans la ville. Et il marche comme un fou. Et il prophétisait. Il lui dit, celui-là, il est de Dieu. Dieu fait et Dieu donne la vision à des gens selon son bon vouloir. Amen. Quand Dieu lui demandait de se mettre nu, mais il pouvait discuter. Il pouvait dire, mais Seigneur, toi aussi, qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Il avait un homme comme prophète Jérémie qui s'est couché sur son côté. Dieu lui dit, tu te couches seulement sur un côté. Je ne veux pas que tu te regresses. Couche-toi seulement sur un côté. Et pas parce que j'ai un message à te donner.
Il reste pendant 3 mois sur le côté, dormi seulement sur un côté. Et puis Dieu lui dit, voilà, quand tu as dormi là, bah, c'est ce que je voulais te présenter. Dieu dit à Osée, dans la ville, déplace-toi, va pour une prostituée, marie-la. Il dit, mais Seigneur, je suis prophète. Tout le monde va commencer à dire que j'ai marié une prostituée. Marier une prostituée, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu finis de dormir avec elle la nuit, pendant que vous dormez, mais elle se lève, elle s'est endormie derrière l'autre garçon. Mais il veut se séparer de lui. Reste là. Amen. C'est ta femme. Au bout de quelques années, Dieu lui dit, voici ce que je voulais te faire passer comme message. Israël est comme une femme prostituée. Ah, c'est pour me dire qu'Israël est comme une femme prostituée. Quand tu maries, elle est mariée prostituée. Est-ce que vous connaissez Dieu? Amen. Dieu est un homme bizarre. Dieu n'a pas la pensée humaine. Amen. Dieu ne réfléchit pas comme les hommes. Dieu fait selon ce que Paul lui dit. Amen. Il me souffre. Dieu est souverain. Amen. Si Dieu fait selon que ça te plaît, c'est qu'il n'est pas Dieu. Amen. C'est toi qui dois suivre Dieu, ce n'est pas Dieu qui doit te suivre. Amen. C'est comme quand le prophète Samuel est arrivé dans la maison de Kis. Dieu lui dit, Samuel, va, j'ai choisi un roi et tu vas le roi dans la maison de Kis. Il arrive et il voit Eliab venir. Il dit, ah, certainement c'est celui-là qui est le roi. Parce qu'il a vu un homme bien bâti. Il a vu un homme qui était beau de visage. Il dit, c'est celui-là. Dieu dit, vous regardez à l'apparence. Moi, je regarde à mon cœur. Amen. C'est pas parce que toi, le prophète Samuel, tu as vu Eliab, que tu penses que Eliab est celui qui est prédestiné, que moi je vais te suivre. À partir du moment où vous voulez amener Dieu à vous suivre, vous êtes égaré. Mais laissez-vous conduire par Dieu. C'est Amen. Vous qui devez suivre Dieu. C'est vous qui devez suivre les prescriptions de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait est toujours contraire à la pensée humaine. Amen. Est contraire à la nature humaine. Amen. C'est pour cela, ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un. Ne cherchez pas à suivre votre voie. Suivez la voie dans laquelle Dieu vous a mis. Qu'est-ce que Jésus pense de moi? C'est ça qui est plus important. Amen. Il se retourne vers ses disciples pour dire, oui, c'est vrai. Vous avez rapporté les paroles des uns, mais vous-même, qui dites-vous que je suis? Vous. Vous qui marchez avec moi depuis longtemps. Vous qui marchez avec moi. Il a commencé à se regarder. Ah tiens. Bah, bah, lui, quand même, je suis des plans, mais c'est qui? Vous allez l'hôpital de Nazareth. Un gars qui était charpentier comme ça. Okay. Ah, moi je suis là parce qu'il multiplie le pain, il multiplie mon Dieu. Comme ça l'affaire là. Enfin où tu le suis et puis tu manges tous les jours. Ça va comme ça. Je dis que réfléchissez là, vous me répondez. Qui dites-vous que je suis? Matthieu se tourne vers Philippe et dit, ah mon gars, là. Et puis moi je suis allé là. Ma famille est à l'aise. C'est que chaque fois qu'on a un problème, qu'on lui demande. C'est quelqu'un qui veut sortir l'argent comme ça, donc mon cher, qui il est, il est mon multiplier d'argent. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Fraîche. C'est là, hein. Voici des gens qui suivent un leader, qui ne comprennent rien de la vision du leader. Tout ce qui les intéresse là, on n'a qu'à les acclamer. Parce qu'ils sont auprès de Jésus. Être auprès de Jésus en ce temps-là, ce n'est pas n'importe quoi. Amen. C'est comme le président dit, non, tu es le président, tu es auprès du prophète Joël Casso. Amen. Donc quand il parle comme ça, tu dis, oh, c'est le président. Il y a la secrétaire, c'est la secrétaire du prophète Joël Casso. Amen. Mais donnez, ça fait du bien. Toi-même, tu es assis là-bas, tu as envie de venir vers ici. Amen. Ça fait du bien quand tu es à côté d'un grand homme. Amen. Et quand tu marches et puis tu es à côté, toi aussi, tu te vois aussi dans la gloire. Amen. Ah oui. Non, c'est pas n'importe qui est à côté d'un grand homme. Hein. Amen. Aïe. Moi, tu es dans mon équipe. Quand je voyage, tu voyages avec moi. Amen. Quand il y a des grands programmes, que des ministres, des chefs d'État, doivent recevoir. Toi aussi, tu es à côté, tu es content. Amen. Mais dans le secrétaire, il y a secrétaire et puis il y a secrétaire. Amen. Ah, tu peux être secrétaire d'assurance.
Tu n'es pas même chose que la secrétaire du chef de l'État. Amen. Ah, c'est ça que la vérité. Oui. Yes. Ah, où c'est vous, c'est vous. Amen. Il y a blanchisseur et puis il y a blanchisseur. Blanchisseur du quartier qui fait ses enfants là. Il n'est pas même chose comme blanchisseur du chef de l'État. Hein. Amen. Sinon, c'est même blanchisserie là. C'est pas même identité. Il y a servante et puis il y a servante. Il y a servante qu'on paye avec 5 000 francs CFA. Et puis il y a servante là. 1 million 5. 1 million 500 000. Et puis il y a la voiture et la chauffeur. Amen. Quand elle va faire ses courses là, ses voitures, ses chauffeurs. Amen. Servante de 25 000. Elle marche de la maison jusqu'au marché. Amen. Chaque jour, elle va faire le marché. Ça va les mal. L'identité. Amen. Amen. Mais quel que soit le métier que tu fais, Dieu peut te lever dans ton métier. Amen. Non, aujourd'hui tu peux coudre. Tu es de la couture, tu fais couture de 3 000, de 5 000, il ne faut pas désespérer. Dieu va t'envoyer la femme du maire. Dieu va t'envoyer le maire. Dieu va t'envoyer la personnalité. De la couture de 3 000, tu peux monter un couture. Tu vas arriver à la dire amen. Sois le métier que tu fais. Amen. Ne sois pas abattu, quel que soit le métier que tu fais. Amen. Je peux te retirer de la boue et te faire asseoir à la table. Oh, Dieu va tirer des personnalités de ton connaissance. Les personnes vont commencer à te visiter. Des hommes d'affaires vont venir de partir. Amen. Ne sois pas déçu de ce que tu fais. Aujourd'hui, peut-être tu vois les aubergines. Dieu va t'amener à livrer des aubergines en gros demain. Amen. Le peu que tu fais, c'est ce que Dieu va bénir. Amen. C'est seulement une question d'identité. Amen. C'est seulement une question d'identité, de connaître quelle est son identité. De savoir quelle est son identité. Il est fou qui dit que je suis. Si tu suis un homme de Dieu à cause de miracle, c'est que tu n'as rien compris. Amen. Si tu suis le prophète Joël Crasso, parce que tu penses que c'est un chef d'état-major dans la brigade anti-sorcier qui va te délivrer de la sorcellerie, seulement, c'est que tu n'as rien compris. Amen. Parce que le jour ne sera pas là, tu ne vas pas venir. Amen. Ce n'est pas parce que ton père est loin de toi. Non, écoutez, la bénédiction est transmissible, quel que soit le nombre de kilomètres. Amen. Même quand le père n'est pas là. Amen. Abraham était déjà mort. Genèse, le chapitre 26. Isaac est allé vivre à Guérar. Et la Bible dit que la famine est arrivée à Guérar. Son père n'était pas là. Mais Dieu d'Abraham s'est révélé à Isaac. Il dit, Isaac, ne descends pas à l'Égypte. Reste à Guérar dans la famine. Je te bénirai à cause de ton père. Amen. Ton père peut ne pas être près de toi. Mais attention, l'alliance qui est entre lui et Dieu Amen. Ne te ratera pas. Amen. Pourquoi tu viens ici? Est-ce que tu viens ici parce que tu penses que ta destinée y dépend? Ou bien tu es venu prendre une solution momentanée? Parce qu'il y a des gens qui viennent prendre des solutions momentanées et puis ils s'en vont. Ils laissent le gros lot. Amen. Le gros lot se détermine à la fidélité. Amen. Le gros lot là, on le reçoit dans la fidélité. Amen. On le reçoit jamais. Quand on le suit partiellement. Sois jamais doux. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Enlève la main et va dire, Père éternel. Père éternel. Dieu tout puissant. Dieu tout puissant.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père. Donne-moi d'être fidèle. Donne-moi d'être fidèle. Et là, on commence à prier. Demande à Dieu de donner d'être fidèle. Demande à Dieu de donner d'être fidèle. Nous avons prié dans le nom de. Tu peux t'asseoir. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et les disciples étaient avec le titubé. Parce qu'ils ne l'avaient pas encore connu. C'est malheureux de marcher avec un homme sans le connaître. C'est pour cela. Fils et filles du prophète Joël Croisson, apprenez à connaître qui est votre Père. Amen. Vous avez deux pères. Du coup, un seul père, mais qui s'est investi en un. Le père que vous avez, c'est Dieu. C'est lui qui est votre premier père. C'est lui qui vous a appelé à travers Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus a donné mandat un homme sur la terre, afin de le représenter auprès de vous. Et c'est votre Père spirituel. Amen. Moi, quand je suis auprès d'un homme de Dieu, je ne cherche pas à voir son apparence. Amen. Je ne cherche pas à voir comment il s'habille. Je ne cherche pas à voir quelle chaussure il porte. Je ne cherche même pas à comprendre sa femme, elle a grogné ou bien elle n'a pas grogné. Je ne cherche même pas à savoir il est dans le noir ou bien il est dans le clair. Ce n'est pas mon problème. C'est que je cherche à savoir quelle est la dimension de l'esprit en lui. Amen. Quelle est la dimension de l'esprit en lui? Parce que si tu veux regarder à l'apparence d'un homme de Dieu, tu risques d'être détruit toi-même. Amen. Et c'est une malédiction de pouvoir regarder à l'apparence d'un homme de Dieu et de pouvoir le condamner, le juger. C'est une malédiction. Amen. C'est une malédiction. Et vous, qui dites-vous que je suis? Si je vous prenais ici, un à un, pour vous poser la question, qui est votre Père? Qu'est-ce que vous allez me dire? Toi, mets dans ta tête, tu vois qu'il commence à vaguer. Gens qui vont venir à l'église, hey, président, il aime tout faire malin. Non. Pour qu'il arrive à ce stade, est-ce que vous savez le prix qu'il a payé? Mon frère, quand tu vois quelqu'un qui est élevé là, il ne faut pas chercher à le critiquer, parce que ce que tu critiques ne viendra jamais vers toi. Il ne faut pas chercher à juger quelqu'un qui ne comprend pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous, qui dites-vous que je Simon Pierre, pendant que les autres étaient en train de se confondre, Simon Pierre va rester dans une disposition spirituelle. Simon Pierre va se mettre à prier pour dire, oui, cet homme, c'est vrai, je suis plus lâché que lui. Cet homme, c'est vrai que je le suis. Mais je ne veux pas donner une réponse en fonction de ce que je vois. Je ne veux pas donner une réponse en fonction de ce que j'entends. Je ne veux pas donner une réponse en fonction de ce que j'ai touché.
Je veux donner une réponse qui cadre avec la pensée de Dieu. Je veux entrer dans la sphère spirituelle et redonner l'identité réelle spirituelle de ce que vaut cet homme. Simon Pierre, lui, a quitté le domaine de la chair. Parce que ceux qui regardent à l'apparence sont dans le domaine de la chair. Ceux qui jugent selon l'apparence sont dans le domaine de la chair. Ceux qui condamnent selon l'apparence sont dans le domaine de la chair. Simon Pierre s'est déconnecté de la chair. Il est rentré dans la sphère spirituelle de l'esprit. Il dit, je veux parler selon ton esprit, mais bon de parler. Je veux interpréter les choses selon que l'esprit me donne d'interpréter. Il regarde Jésus, il dit, toi, tu es le Christ. Toi, tu n'es pas Jean-Baptiste. Toi, tu n'es pas Élie. Toi, tu n'es pas semblable au membre de ta famille. Mais quand je te vois comme le Christ. Je te vois comme le Sauveur, le Fils du Dieu vivant. Simon Pierre dit, je te vois comme le Fils du Dieu vivant. Ça veut dire, Jésus, quand je te regarde, je ne te regarde pas selon que le monde pense que tu es. Mais je te regarde selon que le ciel a décidé que tu es. Je veux toi, tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es ce que Dieu veut que tu sois. Tu es ce que Dieu veut que tu sois. Tu ne seras jamais ce que les hommes désirent que tu seras. Mais tu es ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Pendant que les hommes disent que tu es pauvre, Dieu dit que tu es riche. Pendant que les hommes disent que tu es abaissé, Dieu dit que tu es élevé. Pendant que les hommes t'appellent célibataire, Dieu t'appelle femme à marier. Pendant que les hommes t'appellent pauvre, Dieu t'appelle riche. Amen. Amen, frère, papa. Les hommes peuvent te voir comme un homme misérable. Dieu ne te voit pas comme un homme misérable. Amen. Parce que ce que les hommes voient, c'est aujourd'hui. Ils ne connaissent pas ton demain. Ils ne savent pas ce que tu as appelé être demain. Dieu leur a caché la révélation de ton devenir. Dieu leur a caché la révélation de qui tu seras demain. Ils ne te connaissent pas. Ils ne savent pas que c'est toi qui vas marier le passé. Ils ne savent pas que ton mari, c'est la puissance. Ils ne savent pas que tu as appelé avant des sociétés. Ils ne savent pas que dans la communication, tu as fait la communication des présidents. Est-ce que tu peux dire je suis ce que Dieu veut que je sois? Dieu a caché même aux personnes qui estiment être les plus intimes, il les a cachés ta véritable identité. Amen. Dans mon passé, qui pouvait croire que je serais ce que je suis? Si les gens, Dieu leur révélait ce que tu seras demain, ils se laissent attacher à toi à partir de ce que tu seras demain. Amen. Mais Dieu t'a caché. Quand tu te vois, il te voit non, comme ton mari est pauvre, mais cette pauvre femme-là. Il y a ses enfants, même pas d'avis. Et il y a un enfant célibataire. Elle, le monsieur, a vous suivez, vous suivez, le monsieur, appelez-moi. Vous le faites, vous avez la Bible. Les membres de ta famille là, parce que c'était soit à Bidjan, c'était soit en Europe, ils se font aussi toi. Et non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, écoutez quelqu'un pour vivre ma vie.
Amen. Amen. Jamais. Tu peux m'envoyer aussi, hein? Je sais pas comment m'envoyer aussi, hein? Si Dieu décide de me tuer aujourd'hui, de me prendre, là, quand tu veux me sauver, pourquoi même rien d'oublier, non? Hey, tu me vois marcher en tapette, tu me dis non, lui est pauvre. Moi dans ma famille, j'ai mangé dans poubelle. On faisait alléluia, mais la famille ne pouvait pas. Tout le monde nous avait abandonné. Moi, je ne connaissais pas petit déjeuner pour aller à l'école. Je partais à l'école sans petit déjeuner. À midi, quel est midi? Qu'est-ce que je faisais avec mon frère? On s'en va dans le restaurant d'à côté. Où les femmes ont fini de préparer là. On va laver mamite. On lave mamite. Quand on finit de laver les mamites, les femmes vont garder un peu de riz. Sans rien dessus, on va manger. Quand je descends de l'école, on va rapidement au marché bourreau. On ramasse la banane, on va envoyer. Maman va préparer, on va manger. Le week-end, j'avais réussi à partir de mes petits business. Parce que souvent, quand on n'a pas pour le mercredi, je m'en vais au marché, je loue brouette, je pousse brouette. Le peu d'argent que j'avais, j'avais aussi cirage. Donc le week-end, je sais ceci. Je lave ceci. Voici comment on a grandi. Mais qui pouvait imaginer? Qui pouvait croire? Même personne. On n'avait personne. Pendant les fêtes de Noël, pendant que les autres enfants, les amis ont des jouets, mais nous, c'était quoi? Un 1er janvier, on a mangé riz gras, un poisson sec dedans. De la souffrance totale. Mais dans ce temps de souffrance, tu n'as pas d'homme, tu n'as pas de temps, tu n'as personne. Mais la parole de Dieu était en nous. Il y avait une chose qui était formidable, c'est que Jésus était notre consolation. Nous savons rencontrer le véritable. Mon Père nous avait donné un héritage qui ne s'efface pas. Un héritage qui ne se déteint pas. Il nous avait donné un nom. Un nom qui est au-dessus de tous les noms. Un nom, quand tu le suis, tu n'es pas déçu. Quelqu'un qui tu crois et il ne te déçoit pas. Quelqu'un qui tu espères et ton espérance. Ton espérance. Je l'aime, mon Jésus. 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 Parce que de la boue, de la poussière, de la boue, de la poussière, il retire l'indigent. De la boue, de la poussière, il retire le pauvre et il le fait asseoir à la table des grands. Si tu n'es pas dans l'école, bien-aimé, ce n'est pas le civil et le chef. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fréquenté que tu as échoué. Ce n'est pas parce que tu n'es pas né dans une famille riche que tu as échoué. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille pauvre que tu as échoué. Ce n'est pas parce que tes parents n'ont rien conçu pour toi que tu as échoué. Le Jésus que tu as accepté ne t'abandonnera pas. Le Jésus en qui tu as cru ne te laissera pas. Le Jésus en qui tu as cru ne t'abandonnera pas. Le Jésus en qui tu as cru ne te laissera pas. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te lamentes? Ne sais-tu pas que Jésus prend de la boue, il fait asseoir à la table des grands? Tous les jours, ma vie est pleine.
Je dis, mais je vois mes frères, mes amis qui ont de l'argent, qui portent des nouveaux kakis. Mais moi, un kaki pouvait faire 3 ans avec moi. Le même kaki, on va coudre, on va recoudre. À peine on arrive à payer la scolarité, à peine on arrive à avoir tous les livres et les cahiers. Mais les hommes nous jugeaient comme étant des personnes pauvres. Les hommes nous jugeaient comme des gens ayant échoué sur la terre. Mais ils étaient trompés sur l'identité de Dieu en nous. Ce que tu vis aujourd'hui n'est rien par rapport à l'identité de Dieu dedans. Ce que tu vis aujourd'hui n'est rien par rapport à ce que Dieu se prépare à faire pour toi. Les réalités que tu vis aujourd'hui n'ont rien à voir avec la vérité divine pour toi. Aujourd'hui, tu ne manges pas, c'est vrai. Aujourd'hui, tu as des difficultés, c'est vrai. Aujourd'hui, ton mari te maltraite, c'est vrai. Mais regarde son monde en peu de temps. Regarde son monde en peu de temps. Regarde son monde en peu de temps. Le Yeshua Mashiach, le ressuscité d'entre les morts. Celui qu'on appelle la rose de sang. Celui qu'on appelle l'étoile brillante du matin. Celui dont je ne suis pas digne de délier la couronne de mes pieds. Celui qu'on appelle l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Celui dont la mort n'a pu retenir. Celui dont les séjours de mort n'a pu retenir. Le créateur du ciel et de la terre. Seulement dans peu de temps. Seulement dans peu de temps. Tu le verras agir dans ton identité. Tu le verras te relever. Tu le verras te grandir. Tu le verras te relever. Amen. Si personne ne croit en toi, Dieu croit en toi. Amen. Si personne n'espère en toi, Dieu espère en toi. Amen. Ne te minimise pas. Amen. Ne te minimise pas. Si les hommes te rabaissent, toi ne te rabaisse pas. Amen. Si les hommes ne te considèrent pas, toi considère-toi. Amen. Parce que tu es la fille du roi de roi. Amen. Tu es le fils du roi de roi. Amen. Tu es la fille du roi de roi. Amen. Tu es le fils du roi de roi. Amen. Tu n'es pas une personne à négliger. Amen. Même si tu es sorcier, que les gens t'ont mis à l'écart. C'est le diable qui a voulu faire croire de toi ce que tu es. Mais Dieu t'a prédestiné pour la gloire. Amen. C'est pour ça que j'aime l'esprit de ce temps. C'est pour ça que j'aime l'esprit du prophète Joël Passion. Ne minimisez personne. Amen. Jésus est venu afin que les âmes perdues aient la vie. Amen. Jésus est venu pour que de ta souffrance, tu parviennes à la gloire. Amen. Jésus est venu pour que de la bassesse, tu parviennes à l'élévation. Amen. Jésus est venu pour que Amen. Tu ne pleures plus. Amen. Jésus est venu pour confondre les membres de ta famille. Amen. Pour confondre ceux qui ne croyaient pas en toi. Amen. Pour confondre ceux qui n'espéraient pas en toi. Amen. C'est pour cela qu'il est venu. Il va les confondre par ton témoignage. Amen. Ton témoignage sera tellement grand. Amen. Ton témoignage sera tellement grand. Amen. Tu n'auras que les lèvres pour bénir le nom de Dieu. Amen. Dieu me fait parcourir le monde. Dieu m'a béni. Mais qui aurait cru des années en arrière? Qui aurait cru des années en arrière que je serais ce que je suis aujourd'hui? Amen. Qui aurait cru? Qui aurait cru? J'arrêtais l'étude en classe de troisième. Mais aujourd'hui, je suis leader dans ma génération. Amen. Venez me croyez en votre destinée. Amen. Croyez en ce que Dieu est capable de faire pour vous. Amen. Croyez en ce que Dieu est capable de faire pour vous. Amen. Arrêtez d'être distrait. Arrêtez de vous minimiser. Arrêtez de croire que vous êtes né pour échouer. Arrêtez de croire que vous ne pouvez pas réussir. Personne n'est né avec une cuillère en or dans sa bouche. Amen. Personne n'est né avec de l'argent, bien-aimé. Tu peux aussi arriver là où les grâces. C'est Dieu qui fait ça. Amen. Ne jugez pas selon l'apparence. Jugez selon l'esprit. Amen. Jugez selon l'esprit.
selon votre apparence. Vous croyez à la destinée de Dieu en vous. Si tu me vois ici, crois que Jésus est capable de tout. Amen. Jésus est capable de tout. Il est capable de tout. Amen. Il est capable de tout. Amen. Il est capable de tout. Rien ne lui est impossible. Amen. Rien ne lui est impossible. Amen. Je ne juge plus ma famille. Je ne dis plus que mon père n'a rien fait pour moi. Je ne dis plus que ma mère n'a rien fait pour moi. Parce que je n'attendais de personne. Celui de qui j'attendais, c'est Jésus. Je n'attends de personne. Celui de qui j'attends, c'est celui qui a fait les cieux sur la terre. Je n'attends de personne. Je n'attends de personne. Celui de qui j'attends, c'est celui qui ouvre et qui ne peut fermer. Si on t'a renvoyé de ta société, c'est parce qu'ils n'ont pas compris ta valeur. Amen. Si ton homme t'a laissé, c'est parce qu'il ne connaissait pas ta valeur. Amen. Si tu as demandé un service qu'on t'a refusé, c'est parce qu'on ne connaissait pas ta valeur. Amen. La valeur est cachée en toi. Amen. Le Saint-Esprit en toi fera des gloires. Le Saint-Esprit en toi, tu transportes les sociétés. Amen. Tu transportes des richesses. Amen. Et je dois le voir par ces richesses. Mais dans peu de temps, ils le verront. Et tu oublieras les années de ta souffrance. Tu oublieras les années de ton père. Tu oublieras le temps où tu as été minimisé. Tu oublieras le temps où tu as été ridiculisé. Et ceux qui t'ont minimisé hier, viens te manger à ta table. Ceux qui t'ont rejeté hier, viens te manger à ta table. Quand la vérité de Dieu va se révéler, Dieu va t'établir paix. Amen. Dieu va t'établir paix. Amen. Croyez en vous. Amen. Et n'attendez de personne. Attendez de Dieu. Amen. Même quand je n'ai rien aujourd'hui, mon espoir n'est pas figé sur les normes. Mon espoir est sur Jésus. Parce que je sais ce qu'il était capable de faire pour moi hier. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Amen. Son nom ne change jamais. Amen. Il ne change jamais. Amen. Les circonstances peuvent changer. Les temps peuvent changer. Mais mon Dieu ne change jamais. Et si mon Dieu ne change jamais, je ne changerai pas aussi. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles je me trouve, je sais que ma gloire est ma gloire. Je sais que ma prospérité est ma prospérité. Je sais que je suis élevé, je ne change pas. Ce que est mon Dieu, je le suis aussi. Ce que est Jésus, je le suis aussi. Mon identité est rattachée à l'identité de Dieu. Mon identité est rattachée à l'identité divine. Je n'ai pas une identité chanelle. J'ai une identité qui est rattachée à l'identité de Dieu. Si Dieu est prospère, ah, je marche comme un homme prospère. Si Dieu est riche, je suis riche. Si Dieu est élevé, je suis élevé. Si tu es grand, je suis grand. Si tu es amour, je suis amour. Si tu es gloire, je suis glorifié. Alléluia. Est-ce que tu peux marcher comme un homme riche? Je marche comme un homme de gloire. Je marche comme un homme de gloire. Je suis une personne de gloire. Je transporte la richesse en moi. Je transporte la gloire en moi. Est-ce que tu peux marcher transporter la richesse de Dieu en toi? Parce que tu es ce que Dieu veut que tu sois. La puissance de Dieu en toi. La richesse de Dieu en toi. La grandeur de Dieu en toi. La gloire de Dieu en toi. On te voit comme pauvre. Mais ils n'ont pas compris que tu es le multimillionnaire de ta famille. C'est toi qui vas me donner la famille de la pauvreté. Tourne-toi avec quelqu'un. Dis-lui,
Je suis ce que Dieu veut que je sois. Je suis ce que Dieu veut que je sois. Il faut lui dire ça 5 fois. Je suis ce que Dieu veut que je sois. Je suis ce que Dieu veut que je sois. Je suis ce que Dieu veut que je sois. Je suis ce que Dieu veut que je sois. Je suis ce que Dieu veut que je sois. Dis-le encore 5 fois. Si tu es sage, arrête-toi, prends photo et moi. Les sociétés ont tout bloqué. Elle vit au village, C'est la tante de la femme de l'archevêque. Pendant 70 années, elle galère. Et ce concert se convertit. C'était devant moi un dimanche à l'église où l'archevêque a prêché.
Mon père, il a cheveux cassés d'agito. Quand il a fini de prêcher, il a demandé que tous ceux qui ont des offrandes à faire pour chercher les destinées qui viennent. La femme, avec 30 000 sur elle, elle était à la maison. Elle est partie à la maison. Là où elle était venue à Abidjan, où on lui déjà l'a pris, elle est venue signer. Dans la même semaine, regardez ce qui va se passer. Oh, elle avait 25 ans quand son père mourait. Quand son père mourait, son père a laissé une forêt. Vous voyez là où, quand vous sortez d'Abidjan, les barrages qui sont là, le premier barrage, vous voyez qu'ils ont déplacé la zone industrielle. Et la zone industrielle est maintenant là-bas. Son père a laissé des états pour elle. Mais son oncle avait caché les papiers. Or, c'était son oncle que son père avait mis sur les papiers. Donc, 70 moins 25, ça fait combien? 45 ans. Pendant 45 ans, elle était propriétaire des états de terrain sans le savoir. Et son oncle est mort, son oncle a donné le papier à son fils. 45 années plus tard, le président de la République décide que la zone soit dans le territoire. Qu'est-ce que le fils a fait? Le fils va prendre les papiers, va leur confier les papiers à un notaire pour que le notaire puisse vendre le terrain à une société. Et effectivement, la société est venue. Et les gens de la société sont allés visiter le terrain. Ils ont estimé que c'est un bon terrain. Et qu'ils allaient payer ce terrain là à 500 millions. Mais on regarde sur les papiers, c'est pas son nom. C'est dans la même période qu'elle a fait son offrande de rachat. Le notaire dit non, maintenant que nous devons signer, on a besoin de celle dont le nom porte, parce que nous sommes allés au ministère. Dimanche, on a fini le culte là-bas. Mardi, son téléphone sonne. Une vieille qui ne sait même pas parler français. Il se notaire. Venez au plateau. Elle dit quoi? Elle a peur. Quand elle attend le notaire, elle pense que c'est justice, ils vont la mettre en prison. Donc, elle passe le téléphone à sa fille. Oui, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Non, je suis notaire. J'ai besoin de votre maman en urgence au plateau le mardi. Il se rend au plateau. La mère est crispée. Elle ne sait pas ce qui se passe. Le notaire lui dit, madame, entrez dans le bureau. On lui envoie un café. Vous voulez un café? Je ne vois pas de café. Pourquoi on m'avait appelé la dite? Elle a peur. Tétanisée. Il dit, bah, vous devez signer tel document. Il dit, mais je signe. Pourquoi? Sa fille qui l'accompagne, elle dit, mais pourquoi elle doit signer? On dit, mais vous n'êtes pas au courant. Au courant de quoi? Non? Vous avez une parcelle de terre qu'une société veut payer. Il veut payer à 500 millions. Donc, vous devez. Elle dit, moi. Combien? 500 millions. Passez les terres à sa vidéo. Non, c'est l'un de vos cousins qui était. Appelez-le, le cousin vient. Qui t'a donné le papier qui est moi, mon nom dessus? Ah, c'est là que je vais expliquer l'histoire. Hein? Donc j'étais riche et je ne savais pas. La vieille maintenant va dire non. Qui a discuté le prix là? Je ne suis pas d'accord, il m'en va, je reviens. Tant qu'elle n'est pas d'accord, enseignez pas. Elle a monté des enchères à 700 millions. Elle a galéré pendant 45 ans. Mais Jésus, à 70 ans, a fait d'elle une multimillionnaire. Ça, c'est toi qui m'as devenu. Je dis ça, c'est toi qui m'as devenu. Quand je pense à ce que tu m'as devenu, alors je suis ton père. Ton enfant que tu as mis au monde, c'est l'enfant qui va dominer demain. Amen. Tu peux avoir 80 ans et ton enfant sera ministre. Amen.
Ce que tu n'as pas pu avoir, Dieu va permettre que tu l'aies. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut jamais te minimiser. Amen. Faut jamais te minimiser. Amen. Une chose est sûre, tu ne quitteras pas la terre sans avoir mangé les meilleures productions du pays. Amen. Tu ne quitteras pas la terre car Jésus va te nourrir. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le roi des rois? Quand Pierre a dit, je te donnerai, tu es le fils du Dieu vivant, Jésus lui a dit, je te donnerai les clés du royaume. Parce que tu as compris ma véritable identité. Amen. Quand vous avez compris l'identité de votre Père, vous recevez les clés. Amen. Quand vous êtes dans l'intimité de votre Père, que vous avez compris sa véritable identité, vous avez les clés. Amen. Et les clés vous donnent de lier sur la terre. Et ce que vous liez sur la terre est lié dans les cieux. Et les clés vous donnent, les clés sont les secrets. Vous donc délier de bénédiction dans le ciel. Amen. Et ce que vous déliez est aussi délié. Amen. La grâce de Dieu est avec vous. Amen. Croyez à votre Père. Amen. Ne croyez pas en lui à partir de ce que les gens disent de lui. Croyez en lui à partir de ce que c'était loin de l'Éternel. Amen. Demeurez fidèle. Car il n'y a que la fidélité qui produit la bénédiction. Amen. Allez-y chercher ceux qui sont dehors. Dites-le, je rencontrerai un homme qui change des vies par le nom de Jésus. Amen. Parlez de votre Père et parlez de Jésus. Amen. Le fait que vous soyez ici, croyez à votre destinée. Amen. Croyez que vous ne chimeriez pas. Amen. Parce que tel que Dieu a envoyé le nom de votre Père grand, c'est comme ça votre nom sera grand. Amen. Ne vous occupez pas de ce qui raconte les opinions. Amen. Vous êtes d'une génération bénie. Amen. Vous êtes un peuple béni. Vous êtes à part. Ici à Divo, voyez-vous comme à part. Amen. Vous n'êtes pas la même chose qu'en les autres. Amen. Vous êtes à part. Vous êtes à part. Je veux que tu prie à toi. Lève la main droite. Dis Père. Ce matin, la faveur.